Depuis quelques mois, c'est vraiment top quoi, ce qu'elle fait. Par rapport à la naissance de Lola, c'est assez fantastique quoi, d'être venu aussi vite, aussi fort et même mieux qu'avant. C'est vraiment juste assez fier. Au niveau régularité, le driving et surtout au niveau perf, au niveau longueur, elle a vraiment gagné en longueur et en précision au niveau du driving et elle peut être de mieux en mieux. Je pensais qu'elle allait revenir, mais pas aussi vite, ouais, parce que en début d'année, elle avait du mal à jouer très bien, mais elle avait du mal à trouver ses marques au niveau régularité. Elle avait souvent des bons scores, birdie, par, puis après une bogey, double. Et je pensais que ça allait vraiment prendre plus de temps, plus vers le mois de fin mai, juin, et elle est revenue vraiment plutôt présente. Parce qu'elle est vachement plus épanouie par rapport à la naissance de Lola, donc on va pas dire qu'elle s'entraîne moins. Mais elle s'entraîne plus en qualité qu'en quantité. Parce que bon, on voulait aussi profiter de la petite. Donc peut-être qu'elle travaille une heure et demie de moins de golf par jour pour profiter de la petite. Peut-être que c'est un meilleur travail. Plus de recul, ouais, c'est surtout que maintenant, vraiment quand la journée golf est finie, c'est vraiment une autre vie qui commence. Avant, quand on rentrait dans la chambre, on faisait quasiment le parcours, la technique, le petit, tout. Maintenant, on rentre dans la chambre et c'est Lola, Lola et Lola. Et même là, si on regarde par rapport à son jeu aujourd'hui, il ne manque vraiment pas grand-chose. Peut-être par rapport au score, on va voir qu'il manque peut-être 4-5 points. Mais par rapport à ce qu'elle a produit aujourd'hui, elle pouvait taper moins 8 sans problème. Un top 3 sans problème. Il y a 2-3 putts encore qui restent au bord du trou. Et puis, S'il y avait pas mal d'hommes qui avaient l'occasion de faire ça, c'est vraiment une occasion assez particulière. D'avoir le rôle peut-être presque, on va dire, à l'inverse, que ce soit la femme qui soit au boulot et l'homme un petit peu à la maison. Quoi. Je m'occupe un peu de Lola pendant que Karine est à la gym ou en train de taper des balles.